Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc aujourd'hui la familia, je vais tout simplement vous faire une grande nouvelle. Je vais ouvrir mon propre McDo. Comme vous le savez, j'ai travaillé un an au McDo. Et du coup pendant ces un an j'ai pu voir les techniques particulières du McDo, j'ai pu voir comment ça se passait, etc, etc. Donc là la famille, je vais ouvrir mon propre McDo et je vais vous inviter à venir manger dans mon McDo. Donc d'abord faut que je m'entraîne, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Vous allez voir. Bon là je vais vous emmener dans mon local où je prépare mes sandwichs pour le McDonald's. Vous devez connaître, normalement c'est pas très loin, je vous emmène et c'est tout nouveau, j'ai pas encore eu le temps de bien tout préparer et tout, mais je pense pouvoir vous accueillir. Allez c'est parti. Bienvenue dans mon McDo, faut que je fasse mes preuves, donc on va attendre les premiers clients et vous allez me dire si pour vous c'est validé ou pas. Bonjour, bienvenue, vous avez le gel hydroalcoolique si vous voulez. Là je peux en prendre. Bonjour. Donc, ça serait pour commander s'il vous plaît. Quelle est votre commande? Je vais vous prendre un grand menu double filet au fish. Frites coca zéro si vous avez. Avec ça c'est bien halal ici? Oui. Je vais prendre un. Et juste le sandwich Mac Chicken s'il vous plaît. Ce sera sur place. Ok, ça vous fera 50 euros. Pardon, j'ai que 20 euros sur moi. Bah, 20 euros c'est bon. 20 euros, 50 euros c'est un peu cher quand même. C'est vrai. Voilà. Bah j'attends, merci. Cuisine avec des produits bio, on a du pain bio, du fromage bio. Du coup c'est plus simple pour les clients. Donc on va commencer par le premier sandwich. Double filet au fish, donc on va prendre le pain. On va le disposer comme ça. Ici on a les deux poissons qui ont cuit. On va les poser sur le sandwich. Donc on a la sauce bio Benedicta qu'on va disposer directement dans le sandwich comme ceci. Il n'y a que dans le McDo que vous verrez les gens préparer, hein. Dans les autres McDo vous ne verrez pas les gens préparer la nourriture. Si on ne sait même pas comment ils font, ça se trouve ils crachent dedans. Tac. Ensuite on va prendre un emmental ou un fromage. Et un autre poisson sur le devant ici. On referme et là on va mettre le sandwich à toaster. Deuxième sandwich, on va faire le Mac Chicken. Donc on prend le pain, donc un Mac Chicken simple. On va tout simplement prendre le poulet, on va disposer le poulet comme ceci, on y ajoute un fromage et on va mettre un petit peu de sauce pour finir. On va faire refermer et pareil à part toaster, on peut enlever l'autre déjà, l'autre il doit être cuit je pense. Donc l'autre il est cuit, du coup on va passer à la présentation. Pour l'instant, on va fermer celui-là. Donc, on y met. Tac. On va mettre un peu de ketchup au niveau de là. Pour les frites. On va ajouter les frites. J'aime bien mettre une frite comme ça. Regardez. Une frite hyper grande comme ça. Au moins, les gens ils vont se dire ah, le McDo Yassine, c'est pas un crevard. Du coup, regardez. Limite, ça rentre même pas dans le truc. Donc, là, on pose ça au niveau de là. On va mettre ça ici. Il ne nous restera plus qu'à faire la boisson et normalement, c'est bon. Voilà. Regardez, ça déborde. On ferme ça gentiment. Je crois que le client il m'avait dit seulement ketchup au niveau des frites. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de ketchup. On peut en rajouter encore un peu. Après, vous allez dire, je suis un crevard. Voilà. Donc là, il m'avait demandé que le burger. Du coup, voilà. C'est prêt. Commande numéro 1, s'il vous plaît. Ah, c'est prêt? Oui, c'est prêt. Enlevez votre manteau, mettez-vous à l'aise. Vous pouvez le déguster, monsieur. Ok, ok. Allez, c'est bien halal, hein, vous me confirmez? Oui, c'est halal. Ok, c'est parti. S'il vous plaît. Testez, vous me dites si vous aimez bien ou pas. Vous me conseillez de commencer par quoi? Là, double filet au fish. Ok, c'est parti pour le double filet. Ah ouais, vous avez du meilleur pain, vous, on dirait. Si vous voulez de la sauce pour les frites, j'en ai une autre si vous voulez. S'il vous plaît. Ouais. Votre emmental bio, il fait la gif. Hein. Ça, c'est validé.
On va tester au niveau des frites. Vous m'avez pas mis de sel, si vous. Non, pas de sel. Vous gérez de on met pas de sel, nous. On fait des frites sans sel. Parfait. Pour l'instant, je vous note 9 sur 10. Qu'est-ce que je pourrais améliorer si je devrais améliorer quelque chose? Franchement, en fait, c'est pas que tu devrais améliorer quelque chose. C'est que 10 sur 10, ça n'existe pas, tu vois. Ah, ok. C'est impossible. Donc là, c'est le McChicken. McChicken, oui. Bismillah. Ouais, il est délicieux. Franchement, celui-là, je vous mets 9,5. Hein. C'est vraiment super cool. Merci beaucoup, je vais continuer à manger et... Oh, on a du coca. Ouais, ouais, ouais. Les 20 euros, vous les méritez. Bon, les potos, comme vous l'aurez deviné, on kifferait vous inviter à manger dans notre McDo. Donc, si la vidéo fait plus de 6000 pouces bleus, on invitera quelqu'un parmi vous. Mettez dans les commentaires votre menu préféré au McDo, sachant que tout sera halal. C'est super top. Et pour finir, Yacine n'est pas énervé ou quoi. C'est juste qu'en ce moment, il est un peu malade. Donc, il a fait la vidéo comme un bonhomme, frère. N'oubliez pas de l'encourager et de faire plein de prières pour nous, pour vous, tout ça. Parce que le Ramadan, il arrive bientôt. Ciao, ciao.